retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end FC tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la boxe SFR. À midi, nous sommes sur Facebook. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle de tout, surtout vous, mesdames. Et là, vous allez franchement éclairer ma lanterne parce que vous aimez bien tout ce qui est ongles, onglerie, nails en anglais. Je reçois une professionnelle afin de mieux comprendre votre attitude avec vos mains. J'ai l'honneur de recevoir Shiny Kanoufé. Ça va et toi? Tu connais Shiny le chanteur? Non. On va le saluer. Walman Bouba. Tu connais pas Shiny, le chanteur? Eh non. Mais c'est l'une de nos foundations en Guadeloupe, dans toute la Caraïbe et compagnie. Eh bien maintenant... Shiny, t'as ta petite sœur. Eh oui. Comment ça va? Donc Shiny, c'est ton surnom, ton vrai nom? C'est mon surnom, oui. J'adore. On va le garder, ça sent ton vrai nom. Alors, on va donc parler de ce... Déjà, on va faire quelques petites traductions. On voit beaucoup parler... Voilà. Nails. Mm-hmm. Qu'est-ce que nails? Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des ongles en anglais, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que praise on nails create? Donc, press on en anglais, ça veut dire appuyer sur. OK. Et nails, comme on l'a dit, ça veut dire ongle. Donc, en fait, ce sont des ongles que tu vas appliquer, que tu vas appuyer directement sur ton ongle naturel, tout simplement. Maintenant qu'on a fait la traduction du thème du jour, d'où vient cette pratique? Et on a l'impression, effectivement, que ces dernières années, ça a vraiment pris une ampleur, mais ouais, surdimensionnée. Toutes les femmes rêvent d'avoir des ongles, mais comme les stars de cinéma. D'où ça vient? Alors, la manucure, en général, ça vient depuis... La nuit des temps. La nuit des temps, depuis non, comme on dit. Ouais. Mais après, les press-on nails, ou les press-on, ça, c'est le diminutif, okay, ça a été importé des États-Unis. C'est vrai que là-bas, elles sont très portées sur ça. Exact. Et ça n'existe pas depuis hier. Vraiment, ça existe depuis des années. Mais chez nous, en Guadeloupe, et aussi en Martinique et ouais, dans la Guyane, ça a été... on a vraiment connu un boom pendant le confinement. OK. Parce qu'en fait, personne n'avait rien à faire à part d'aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi aussi j'ai connu. Okay. Avant, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ça. Je me suis dit, punaise, c'est super chouette. En plus, je venais d'avoir mon certificat de prothésiste ongulaire. Okay. Et je me suis dit, vas-y, moi, ça me parle. Pourquoi pas? Parce que je suis aussi maman. Et j'ai trouvé que le concept était vraiment génial par rapport à mon style de vie et qu'il pouvait s'adapter aussi à un style de vie professionnel autre, comme des femmes qui, justement, travaillent peut-être dans la boulangerie. Elles n'ont pas le droit de porter des ongles dans les milieux hospitaliers, des choses comme ça. Ouais. Mais le soir, quand le chéri dit « Bon, ce soir, c'est restaurant, tu vois ?» on voit que c'est son kiff, hein. Donc ça, c'est cool. Effectivement, parce que tu as une particularité, c'est qu'avec toi, tu poses rapidement et ça peut effectivement s'enlever. Et là, mesdames, vous allez kiffer parce qu'en règle générale, mm-hmm, on en parlait hors antenne, ça prend du temps de faire la pose. Ça doit rester un certain nombre de temps. S'il y a de la colle et compagnie, en règle, ça prend combien de temps pour des ongles de base, on dira? Pour des ongles de base? Ouais, et la pose. La pose classique, hein, on ne parle pas des presses. Exact, on ne parle pas pour l'instant des presses de ce qu'on voit à l'écran. Honnêtement, si... Alors, on ne va pas parler de rallongement, ouais, juste mettre une petite couleur en semi-permanent, ça va prendre allez, 45 minutes, voire une heure. OK. OK. Et ensuite, quand on va avoir des extensions en fonction de la longueur, de la décoration que tu veux, on peut partir sur du 2 heures comme du 6 heures. Hein, c'est fou! 2 heures, 6 heures! Et ça reste combien de temps en règle générale? Généralement, ça. C'est un mois, deux. Voilà. En fait, on préconise un mois parce que, après, quand tu vas dépasser les un mois, il y a des délais d'hygiène, c'est ce qu'on appelle les décollements, etc. Ouais. On veut éviter ça, on veut éviter la casse, on veut éviter les mycoses, etc. Donc, généralement, une bonne prothésiste angulaire te dira qu'au bout de 3 semaines, grand maximum, un mois, pour revenir, pour soit tout enlever, soit refaire un remplissage. OK. On voit aussi qu'au niveau des ongles, donc, il y a des dessins, il y a des... Et là encore, on ne parle pas encore de poissonnaise. T'inquiète pas, on va y arriver. On va introduire la chose, mais il y a énormément de couleurs, de dessins. Les, les mains de nos femmes caribéennes sont devenues vraiment du... C'est de l'art. C'est de l'art. Là encore, d'où ça vient? Ça vient des États-Unis? Ça vient d'où? Qui est-ce qui a eu l'idée? Et qui est-ce qui a emmené ça ici en Guadeloupe? Alors, qui a emmené ça ici en Guadeloupe? Je ne sais pas, le nail art. Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, le nail art, en général, ça vient pas que... En fait, ça, je sais pas. C'est vrai. Je vais être honnête, je sais pas. Mais c'est vrai, d'un seul coup, mais personne ne sait, on ne sait jamais d'où vient réellement le truc. Par contre, ça a été crescendo, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, tu sais, c'était les petites fleurs qu'on faisait, etc. C'était pas un truc de ouf, mais pour l'époque, c'était un truc de ouf, tu vois ce que je veux te dire. Et finalement, comme tout, hein, comme dans tous les domaines, que ce soit l'audiovisuel, peu importe, ça se développe. Exact. Et voilà, on en est là maintenant. C'est quand même quelque chose. Admirer, c'est de l'art.
Mais tu me donneras justement ton avis de professionnel. Est-ce que toutes les femmes, c'est-à-dire toute tranche d'âge, le font? C'est-à-dire que même les mamans de 60 ans peuvent venir et se poser des fleurs juste à côté, se poser notre couleur sur les ongles. Ça a vraiment touché toutes les générations de femmes? Tu veux que je te dise c'est qui ma première cliente? C'est ta mère. Ouais. Et c'est fou, il date cadeau de Noël, mine de pour vos parents, ça peut être excellent. C'est ça, et pendant 2 ans, c'était même elle, la première main que tu voyais sur le site internet, c'était elle, parce que j'ai vachement apprécié le geste. Enfin, okay. Elle me suit beaucoup dans mes projets, et c'était elle, donc c'est ma maman, tu vois, on a parlé de la tranche d'âge. Après, ce qui va faire la différence, c'est peut-être le design qui va être sur la capsule, tu vois. Après, tu peux choisir. Donc, mais vraiment, ça plaît à tout le monde. En fait, c'est le côté pratique, je pense, et le côté versatile. Okay. Tu vois, aujourd'hui, je mets du rouge. Ouais. Cet après-midi, je mets du vert. Demain matin, je mets du bleu, etc. Et en plus, il y a un côté économique parce que tu vois la différence entre une pose classique, donc quand tu vas aller voir ta prothésiste, etc. Tous les jours, enfin tous les mois, tu vas remettre une certaine somme d'argent. Ça, ce sont des ongles réutilisables. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que tu vas les mettre sur ta main en 10 minutes, après, tu les ranges dans ton petit boîtier et tu les ressors quand tu veux. D'accord. Et vraiment, ce que moi, j'essaie de mettre en avant, c'est surtout la pérennité, ce côté périn, en fait, des Presonnels. Et c'est pour ça que j'utilise aussi des matériaux nobles. C'est-à-dire que, tu vois, les bijoux, par exemple, que j'ai sur mes mains, c'est du plaqué or. OK. Donc, ça ne va pas rouiller. Donc, quand je te dis que ça dure... Ça dure. Et finalement, c'est économique, tu vois. Eh bien, écoutez, vous avez vu, elle a fait la transition directement. Le Presonnels, elle a raison. On va parler de son activité tout de suite. Parce qu'effectivement, comme elle vous l'a dit, en règle générale, la pose, c'est 3 heures. Il faut faire attention. Ça dure un mois. Il faut faire attention aux mycoses, ou ceci, ou cela. Quand ça se décolle, on en parlait en antenne, souvent, ça part avec votre ongle. Toi, effectivement, comme tu viens de le dire, en 10 minutes, on peut enlever, remettre. Et ça, c'est super pratique. Mais question, pourquoi toutes les femmes ne viennent pas te voir? Je ne sais pas. Parce que ça, c'est totalement pratique. Mais quel col tu utilises? Parce que pourquoi ça se roque? Parce qu'elle a fait devant moi tout à l'heure, je l'ai filmé. Elle a fait 2 fois et c'est toujours aussi solide. Ouais, c'est toujours aussi solide, ça part pas. Alors, il y a 2 façons de mettre en fait. Il y a ce qu'on appelle des gel pads. Donc, plus vulgairement, c'est des adhésifs. OK. Double face. Tu vois, l'adhésif double face normal, transparent. Ouais. Ben là, pareil, en fait, ce sont des petites pastilles qui ont la forme de l'ongle. OK. Et ça, tu vas le mettre vraiment pour des moments occasionnels. Par exemple, je ne vais pas te mentir, quand je suis venue là, j'avais les ongles pas très jolis, je les ai mis dans ma voiture. Quand je vais repartir, je vais les enlever parce que j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. C'est super pratique. Voilà. Et si tu veux que ça dure beaucoup plus longtemps, là, par contre, il y a la colle spéciale pour les ongles que tu peux trouver directement dans le kit qui est offert avec les ongles quand tu commandes chez moi. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, là, tu as une durée de 3 semaines. Alors justement, qu'est-ce que tu proposes? Lorsqu'on vient chez toi, est-ce que tu fais déjà la pose et après, tu nous donnes justement un petit kit avec colle, ongle de remplacement, on ne sait jamais si vous perdez un ongle. On a droit à quoi? Je dis on a droit comme si moi je... Je vais me poser. Non, des cadeaux les amis, des cadeaux. Je prends toutes mes idées cadeaux. Allez, vas-y. Alors, ce qui se passe, c'est que pour se procurer des Presonnels Blooming Nails, tu vas aller directement sur mon site internet. Ok. Ou alors, on en parlera peut-être après, directement aussi à des... Parce que maintenant, tu peux les retrouver aussi dans un salon. Et donc, du coup, sur le site internet, il y a des modèles qui sont déjà prédéfinis. D'accord. Donc, tu peux les commander, sachant qu'en fait, pour les doigts, c'est comme pour les vêtements ou les chaussures, tu as des tailles. Donc, tu vas choisir ta taille. Mais aussi, moi, j'ai envie vraiment que les gens, ils puissent personnaliser au maximum. Donc, les femmes peuvent choisir la forme et aussi la longueur. Par exemple, tout à l'heure, on a vu des filets, c'était du XL, c'était archi long. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup plus court. Et j'ai encore des formes beaucoup plus courtes et beaucoup plus arrondies, carrées, etc. Okay. Donc, tu vas pouvoir choisir tout ça. Et une fois que tu as passé ta commande, moi, derrière, dans mon petit atelier, tu vois, je dessine, etc. Et ensuite, je te les livre. Donc, je livre soit en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou dans la France hexagonale et même en Guyane. C'est excellent, vous pouvez commander les amis. À la fin de l'émission, vous connaissez le principe, on va donner toutes les adresses. Voilà. Et encore une fois, là, tu m'as tendu une belle perche. Effectivement, tout le dit, c'est toi qui dessines tout, c'est toi qui crée tout. Voilà. L'idée de mettre, par exemple, un petit bijou à cet endroit, ça te vient naturellement, les idées, tu vas... Comment ça se passe? Comment tu travailles? Des fois, je dors pas. Ah, tu m'étonnes, parce que regardez la minute... Il faut être parfait, il faut savoir dessiner pour faire tout ça, il faut être doué de ses 10 doigts. Je ne sais pas s'il faut savoir dessiner, mais je pense qu'il faut impérativement avoir un esprit créatif.
Et c'est un peu mon combat, entre guillemets, parce que, comme je te disais, les pressions, ça s'est vachement démocratisé. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis absolument pas la seule à le faire. Mais c'est vrai que si tu viens chez Blooming Nails, tu viens parce que tu aimes l'art, tu aimes la créativité, tu aimes les ongles qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Si tu me demandes de te faire des ongles rouges, je vais te dire non, parce que moi, ça ne me fait pas kiffer, personnellement. En plus, on voit du rouge partout. Voilà, c'est ça, ça ne me fait pas kiffer. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est de savoir que quand tu vas les porter, tu vas dire, je suis bien, j'ai la classe, les gens, ils me... Voilà, exactement. Est-ce que tu refais souvent les mêmes modèles? Oui et non. Parce que comme je t'ai dit, sur le site, tu peux trouver des modèles que j'ai déjà prédéfinis pour, tu sais, la femme qui... Moi, je les appelle les Blooming Babes. Okay. Pour les Blooming Babes qui sont pas très... qui savent pas trop ce qu'elles veulent encore. Ouais. Ou alors, tu peux très bien aussi, toujours sur le site, il y a un espace réservé à ça, me dire, bah voilà, moi, j'ai ça en tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que aussi, mon petit bonus, c'est tout ce qui va être motif floraux, parce que je me dis que voilà, je suis caribéenne, on habite dans la Caraïbe, exactement. Les fleurs, ça nous entoure partout, c'est beau, ça fait du bien quand on les voit, on aime la couleur, donc on va intégrer ça aussi. Pour l'inspiration, justement, le fait de vivre en Guadeloupe, ça va t'aider de c'est fou, génial. Les couleurs, c'est les... génial. Ben, tu sais, avant, j'habitais en France hexagonale, et je peux te dire que ma créativité, elle s'est vraiment libérée quand je suis arrivée ici parce que, ben, tu sais, là-bas, il fait gris. Il fait gris. Oui. Eh ben, allez, appelez la France maintenant. Il fait nuit de 8h, de 10h30 du matin à l'autre 10h30 du matin. C'est fou, il ne voit jamais le soleil. C'est ça. Ouais. Et tu sais, tu n'es pas forcément bien. Donc, exact. C'est vrai que là-bas, culturellement, tu peux aller voir des expositions et tout. Mais ici, quand même, tu as déjà une source d'inspiration qui est la nature, qui est les gens qui t'entourent, etc. Et donc, c'est génial. Et après aussi, comme je disais, on a cette force aujourd'hui qui est les réseaux sociaux. Exact. Et donc, du coup, en fait, je fais un mélange de tout ça, quoi. Parce que j'aime l'art en général, dans tous les cas. Donc, j'aime ce que je vois sur les ongles des autres. Okay. Mais j'aime aussi, des fois, des tableaux d'artistes, des choses comme ça. Attends, et après, je fais... Justement, on peut te commander, par exemple, on ne sait jamais. Tout le monde, maintenant, veut aller dans un carnaval. C'est super. Continue. Voyager. Allez voir la Caraïbe, les amis. Ça, arrêtez d'aller en France. Allez dans la Caraïbe. Il fait plus chaud. C'est vrai. Si quelqu'un, par exemple, décide d'aller au carnaval de Trinidad... Ah ouais, c'est et... envie de quelque chose, justement, mais tu viens, vois, pas trop Patrick, tu vois, il ne veut pas garder ça tout le temps, la peur de la fille. Viens. Est-ce qu'on peut te commander, par exemple, une main Trinidad et une main Guadeloupe, parce qu'on vient de la Guadeloupe, ouais, est-ce que c'est possible? De ouf. D'ailleurs, j'y vais au carnaval de Trinidad. Mais j'avais commencé l'année dernière et je compte bien réitérer encore cette opération. Ça peut être sympa. C'est-à-dire que le mois de juin, il est dédié, justement, on l'appelle « The Caribbean Month ». Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Exact. Et donc, je l'avais fait en partenariat l'année dernière avec un média qui parle beaucoup de la Caraïbe. Okay. Et cette année, je vais continuer à le faire moi de mon côté parce que j'adore ma Caraïbe. Et tu vois ce que tu disais, genre voyager dans la Caraïbe. En fait, donc, on est trop ce qu'il y a 8000 km et pas ce qu'il y a à côté. Le je comprends pas pourquoi. Mais c'est ça, le réflexe. Je ne sais pas pourquoi on a un réflexe, on va en France. Alors qu'on a Saint-Martin. Vous connaissez toutes les îles, je l'ai dit à chaque fois, à chaque fin d'émission. C'est ça. Et les gars, vous avez de quoi visiter quand même. Hein. C'est ça. Alors, en plus, il fait chaud. Pas de doudoune, pas de veste. Et on a une culture qui se ressemble, etc. Exact. Et donc, du coup, dans le cadre de cette collection, plutôt, la première fois, j'avais mis en avant les drapeaux. C'était une réinterprétation de drapeaux d'îles de la Caraïbe. Donc, il y avait Haïti, la Jamaïque, la Guyane, Martinique, Guadeloupe, bien sûr. Il y avait Porto Rico. Et là, cette année, je ne sais pas si je vais continuer la réinterprétation ou si je vais partir sur une autre source d'inspiration, peut-être. Parce que, par exemple, quand j'ai fait les drapeaux, je suis allée chercher comment ils sont venus là, tu vois. Genre, qui les a... Et en fait, j'ai appris, par exemple, que le drapeau d'Haïti, il a été cousu par deux femmes. Ouais. Tu vois, des choses comme ça. Et j'avais donné le nom au modèle de ces femmes-là et tout. Ouais. Donc, je me disais, peut-être, pourquoi pas, la prochaine fois, me baser peut-être sur des plats, reprendre les couleurs, sur la musique, sur des gens qui... Tu vois, des personnalités de chez nous dans la Caraïbe. Donc, si... Tu as besoin d'ongles pour les carnavals. Bon, déjà, les filles des French Chocolat Lovers, ça serait bien que vous ayez vos ongles en mode French Chocolat Lovers, FSL. Contactez, s'il vous plaît, hein, Shiny, elle va vous faire vos ongles comme jamais. Ça c'est trop bien, c'est une idée de fou. Ouais, peu importe. Et tu prends combien de temps pour justement créer? C'est-à-dire que si par exemple, là, le carnaval, c'est février, mars, un truc comme ça, si les filles veulent te contacter, elles doivent te contacter en janvier, dès maintenant, ou ça va, on peut venir à la dernière minute. En vrai, de vrai. Déjà, ça me prend du temps de créer. Ça prend généralement 2 heures minimum. Après, on peut aller jusqu'à du 4 heures pour les ongles les plus complexes et surtout en fonction de la longueur. Mais après, il ne faut pas oublier qu'avant toi, il y a quelqu'un qui a commandé. Exact. Et il y a quelqu'un
d'autre, et à quelqu'un d'autre, et à quelqu'un d'autre. Et puis j'ai ma vie aussi, tu vois. Hey. Donc moi, ce que je conseille, c'est que dès que tu as ton idée, que tu as ton billet pour partir dans n'importe quel carnaval, après, viens commander directement comme ça, parce qu'il y a le temps d'expédition aussi, tu vois. Ouais. Donc du coup, il vaut mieux commander le plus tôt que possible, sachant que généralement, quand tu commandes, j'expédie au bout de 10 jours. Tu vois, le temps de création, etc. Mais j'y pense, parce que mine de, les îles anglophones, elles sont un petit peu plus avancées que moi. Je sais que c'est sur les Jamaïcaines que j'ai vu. De toute façon, c'est sur les Jamaïcaines que j'ai tout vu en premier. Les couleurs dans les cheveux, ce qu'on fait maintenant, les ongles extraordinaires. Mais est-ce que tu as déjà proposé ton travail ou même regardé un petit peu ce qui se fait du côté de Saint-Martin, la Jamaïque, Barbade, parce qu'ils sont très, très, très fans de tout ça. Et tu peux même développer ça, aller juste avant un gros cadeau-mint ou un gros défilé le lundi à Trinidad, à Barbade ou en Jamaïque, et proposer tes services pour les femmes. I would love to. Même, tu sais... Et pas l'anglais comme personne. Elle est déjà prête. Même à Londres. Et même à Londres, exactement. Parce qu'à Londres, on a... c'est trop loin, 8000 km, je t'aime bien, mais il y a le carnaval de Saint-Martin qui arrive, de Trinidad, il y a Saint-Kitts, il y a Jamaïque, il y a Barbados, il y a Sainte-Lucie. Il y a partout. Il y a partout. En vrai, oui, je pourrais le faire. Et d'ailleurs, ben, toujours grâce à mes amis les réseaux sociaux, tu vois, je suis déjà en contact avec d'autres nail artistes aussi, de la Trinidad et de la Barbade. Mais bon, après, tu vois, ça reste quand même du e-commerce. Il y a des... il y a la loi, des choses comme ça à voir, etc. Exact. Donc en soi, je suis totalement ouverte, même à Miami, parce qu'il y a le carnaval de Miami aussi en octobre. Tu vois, je suis totalement ouverte, mais après, c'est toute une logistique. Toi, je sens que je t'aurais invité, mais pour parler que de carnival. Alors pour toi, c'était lequel, le meilleur? Cette année, c'est quoi? Crop over ou celui de cette fois-ci? Ah non, c'est clair. Ah, on l'a perdu, mais justement, parce que c'est pratique quand même. Ouais, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, parce que moi, en tant que garçon, je regarde masculin, pas forcément le meilleur, parce que je pense que vous, messieurs, certains sont fans de ça. Mm-hmm. Mais moi, je me dis, quand on veut se gratter, quand... est-ce qu'on peut se blesser avec ses ongles? Parce que j'en ai vu, c'était quand même assez pointu. Ouais. Je pense que toutes les formes pointues, style et tout, c'est vrai que tu peux te blesser. Mais sinon, non, enfin, je sais pas, mais c'est ton corps, quoi. Tu as une certaine coordination. Non, moi, je suis totalement désordre. Je suis pas coordonné. Ce n'est pas une arme blanche. Ce n'est pas une arme blanche. Mais c'est vrai, dis-moi ça, ça peut... Les femmes ne se blessent jamais, ne perdent pas d'œil. C'est une question bête, hein, mais c'est vrai que... Mais là, j'ai envie de te dire, faudrait peut-être aller au CHU de Pont-de-Port. Et tout de suite, nous retrouvons notre... Et leur demander, voilà. Mais quel travail, on vous rappelle que c'est elle qui crée tout. C'est sorti de là. On a du talent. Pour celui-là, mon inspiration, c'est les époques Sound System. Oh, pourquoi Sound System? Ben, Sound System, tout simplement parce que j'ai grandi dans ça. Tu vois, j'allais dans les Sound System, etc. Donc, c'est beaucoup de rouge, vert, noir, tu vois. Et bien sûr, il y a l'or, il y avait les chaînes Forza. C'est pour ça que tu vas retrouver beaucoup de bijoux. Et tu vois, le pouce... En fait, c'est un peu ma réinterprétation des barésies. Oh, oh, ah oui, maintenant que tu le dis. Effect, oh, joli. Oui, c'est très, tu vois. Mais j'aime quand c'est très... J'adore. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette technique, encore une fois, mesdames, qui vous prend 10 minutes. Vous venez, vous collez, vous faites la babelle. Vous blaguez près des copines et après, quand vous rentrez chez vous tranquillement, vous retirez, vous mettez de côté. Il y a il faut prendre soin de ça d'une certaine façon. Il y a un produit particulier à utiliser. Justement, on peut utiliser n'importe quel produit. Produit pour quoi exactement? Pour justement prendre soin des ongles. Des choses comme ça. Non, par exemple, lorsqu'on va ranger dans sa boîte, est-ce qu'il faut nettoyer juste avant? Non. Ou on peut déposer comme non. ça, non? Justement, je crois que je suis passée par au moins 4 ou 5 packaging avant de trouver celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment une petite boîte tiroir avec, un petit plateau transparent où tu ranges chaque ongle dans son compartiment. Oh. Et donc, normalement, c'est à l'abri de la poussière. J'aurais dit, par contre, de mettre dans un coin pas très proche du soleil, tu vois. Ah, d'accord. Parce que la couleur, elle peut changer, mais bon, ça, c'est le soleil. Hein, c'est ça, c'est tout, hein. Voilà, même, c'est tout. C'est comme même vos vêtements, ne vous amusez pas à laisser trop vos vêtements au soleil. Hein. C'est ça. Pour leur faire prendre le soleil, mais trop longtemps, non, c'est pas bon. C'est ça. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est ça, la boîte en question. C'est top. Il n'y a pas vraiment de... C'est magnifique. Messieurs, idée cadeau pour vos femmes. Encore une fois, ne me remerciez pas. C'est vraiment pratique. Elles aiment ça, elles adorent ça. Et puis, vraiment, c'est authentique et puis ça sort de l'ordinaire, je trouve. En plus, c'est une créatrice qui vous fait ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux jouer vraiment sur tous les tableaux. Ouais. Tu peux aller voir les artistes. Tu peux aller voir, maintenant, on a plein de comédiens, les comédiennes. Tu peux aller voir ceux qui partent dans le carnaval. Tu peux vraiment toucher à tous les secteurs. C'est ça.
Donc, n'hésitez pas, connectez-vous, Shiny. Well, well, Booba. À chaque fois, tu me fais penser à mon pote. Je vais te faire écouter un morceau tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ton activité et surtout, quels sont tes projets et tes rêves? Est-ce que tu rêves de quoi? D'avoir un magasin, d'avoir plusieurs magasins dans chaque commune de la Guadeloupe, d'avoir un magasin dans chaque île de la Caraïbe? Ouais. Comment tu vois ton futur? Mon futur, je le vois surtout en fonction de ce que les Blooming Babes veulent. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit « Ouais, mais... moi, je vais acheter maintenant, je ne vais pas attendre le temps de création, etc. » Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir déjà mettre mes créations disponibles dans des magasins, déjà pour commencer, dans la Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique, etc. Et puis après, pourquoi pas ouvrir un showroom complètement où les gens viendraient discuter directement avec moi et mon équipe de ce qu'elles veulent, de comment elles le veulent et récupérer directement sur place. Encore une fois, Shiny, mesdames et messieurs. Et en plus, on a parlé du carnaval de toutes les îles anglophones, mais tu peux aussi le faire pour les groupes d'ici, puisque ça va reprendre, je pense, en 2023. Bien sûr, on les entend déjà. Exactement. Donc, voyez, c'est bien parce qu'effectivement, j'allais vous dire qu'ils sont déjà en train de se préparer. Donc, si vous cherchez, elle est là, Shiny. Justement, si on veut te contacter, est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, une adresse mail? De toute façon, on regarde cette caméra. Tout va s'afficher comme par magie. Mais il faut que tu regardes la caméra, sinon ça s'affiche pas. Voilà, exactement. J'aime bien, on ne regarde pas la caméra, je préfère se regarder elle. Excuse-moi. Blooming, qu'est-ce que ça veut dire quoi, blooming? On n'a pas fait sa traduction tout à l'heure. Blooming, toujours, ça vient de l'anglais, parce que je parle beaucoup anglais, généralement. Et ça veut juste dire éclore, s'épanouir. C'est pour ça aussi que l'inspiration principale, c'est la fleur, tout simplement. Blooming, éclore. Ouais, tout est lié. C'est beau, j'adore. C'est beau, oui, c'est poétique. Contactez Blooming. Blooming-Nails. On vous rappelle que ce sont les ongles. .com pour le site internet. Sur Instagram, Blooming, la même tout pareil, bloomingnails.official. Et oui, avec un A, sur YouTube et Facebook. Bloom, c'est bien, c'est Blooming partout. Blooming Nails. Ah oui, tu peux passer à côté. Et sur TikTok, Blooming. _off. J'adore. Idées cadeaux. Là, vous savez même pas, j'ai des idées cadeaux pour tout le monde. Les socaoliques, les cousines, les petits cousins, j'adore. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Lucie, Haïti, Dominique, Trinidad and Tobago, Barbados, Saint-Vincent, USVI, tu peux le dire en français, en anglais et en créole. Vas-y, ta caméra est juste en face de toi. Les gars, on est tous ensemble. C'est la même culture, on s'aime, il n'y a pas de différence. Et surtout, le créole, c'est la langue de la Caraïbe. Et en anglais, ça donne quoi? We're all together. We have the same culture. So I hope one day we can all come hand to hand and do everything that we have to do together. Bye-bye. C'est fou. Hein? En Guadeloupéen et Martiniquais, je vous jure, on a l'accent trinidadien. C'est dingue. C'est beau. Nous sommes un seul. We are one. Merci en tout cas pour le travail que tu fais. Merci pour les idées cadeaux. De rien. Très merci belle à toi, idée. C'est gentil. Et dès que tu as quelque chose à ajouter, tu me rappelles, tu envoies un WhatsApp et on se prend un rendez-vous, on se fait notre petite émission. Ça marche, merci. Nous, à on toi. Se retrouve bien entendu demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'a passé ce petit pull, qui est magnifique. Oui, parce qu'à Saint-Claude, maintenant, on se tape des 10 et des 18 degrés à 14 heures. Et ça, c'est pas facile. Je parle bien sûr de l'écrin à Basse-Terre et vous demandez, Nathalie, rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 7 de la boxe SFR. À demain.